كما أغلبية الرجال العظماء حياته بدأت في مكان بسيط ومتواضع، بصح متوفرة فيه المعرفة. À l'oie de l'hammam, là où il est né, à la Guetna, il n'y avait rien en dehors, évidemment, des éléments naturels du cours d'eau qui s'appelait l'oie de l'hammam. En dehors de ce petit village, il n'y avait rien hormis cette oasis d'éducation religieuse et de d'initiation spirituelle qui était la Zawiya. On y apprend le Coran, les fondamentaux, donc l'apprentissage du Coran par cœur et des hadiths, mais aussi l'apprentissage du Coran par le cœur, si je puis dire. C'est-à-dire un approfondissement de ce qu'est le véritable savoir, la véritable connaissance, qui, si elle n'imprègne pas l'être, n'est finalement, comme le dit la tradition, qu'un âne chargé de livres. وبين يديه ركز وحمل الإيمان ودعوة شعب كامل. الإمير عبد القادر a des origines de Chorafa qui remontent évidemment jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de preuves précises sur la date exacte de sa naissance. On retient 1800 000 de manière générale. Abdelkader bin Mahyeddin ou Zahra, ولد تاريخ كبير. Abdelkader bin Mahyeddin bin Mustafa bin Mohammed bin Al-Mukhtar. صفحة أخرى من شجرة نسب جذورها غاطسة في أيام الإسلام الأولى. On peut imaginer qu'Abd al-Kader a vécu dans le giron des femmes. Le premier maître spirituel était sa mère. Sa mère faisait partie des rares femmes qui savaient lire et écrire. Et on sait le miracle que c'est l'écriture dans une société où on considère le Coran comme étant une incarnation de la parole divine. Le père donc, de l'imam Abdelkader, donc Salim Mahyeddin, est un mokaddam, c'est-à-dire un représentant, un responsable de la grande confrérie, la grande tariqa des Qadiriyya. Cette confrérie soufie trouve son origine dans le cheikh Abdelkader al-Jilani, vers le 15e siècle. زاوية القطنة قلت كانت تمثل مركز القادرية في الجزائر. وكان يأتي إليها طلبة من كل أنحاء القطر الجزائري للتعلم ولدراسة علوم القرآن والفقه والحديث وكذا. طرق صوفية كانت في اتصال وكانت عندها صلات روحية خاصة. صلات روحية وصلة تكامل ما بين طريقة قادرية ولا طريقة تيجانية ولا طريقة درقاوية ولا عيساوية ولا طيبية كل هذه دوك ليمير en tant que tel est un fils de Zawiya. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يقولوا بلي هذاك الولد كان يعرف يقرأ وهو في عمره 5 سنين. هذاك الولد صبح طالب قبل ما يفوت 12 عام وكان حافظ القرآن في سن 14 عام. الكتب درست عبد القادر كمال السيرة، بصح تواصل تعليمه بعيد من المكاتب. كان مفروض عليه يفهم ويدرس سلطان واسع بعاداته وتعرف عليهم في ظل الفرس. On sait que l'émir Abdelkader était un grand cavalier et on sait qu'il a toujours aimé et écrit sur ce qu'on appelle El Furusiya, donc l'art du cheval et l'art de la chevalerie. Indiscutablement, il y a une relation entre le cheval et une certaine élévation mystique. C'est sur son dos que le prophète est allé voir la voûte céleste. C'est pas un animal banal. Le khayr fi yom al khayr.
ومكتوب فينا وصيهم الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، حديث الرسول. وعاود ربي يذكرهم في القرآن، وأعدوا لهم استطعتم من قواتين ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا المنطقة هذه يقولها أهل غريس، هذو أهل غريس هما اللي بروا بالأمير عبد القادر وعطاوها بولادهم وعطاوها خيلهم، وما زالوا فرسان فيهم الكرام فيهم المحبة فيهم كل شيء، خطر جاية بعيدة، هذه جاية بعيدة. وربي في القرآن قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب هذه تعارفت بالعود، فارس هذا ودار محبة ودار معرفة ودار معلقة بين الولايات حتى بين الدول. Was also an important school, and as I think his father put it, you know, the hunt teaches you patience, intelligence, and to be contemptuous of danger. To be contemptuous of danger. Very interesting, because of course in our culture all we do is make everybody terrified of everything, so you always have to be fearful. الساقية والساقية ما هي الواد، والواد ما هو البحر. محي الدين اللي كان واعي بهذا الشيء كلف حمد بن طاهر بتربية ولده في أرزيو. من بعد تعمق عبد القادر الشاب في أصول الدين والفلسفة الإغريقية عند الشيخ أحمد بن خوجة الشايع والمعروف في مدينة وهران. His father sends him to Iran, boarding school, hang out with the Turks. You know, see prostitutes walking in the streets, and you know, and people, you know, taking drugs and gambling and, you know, sinning and all this, and seeing that what the world is all about. As someone who'd grown up in a small town in a very devout environment, the trappings of a larger city civilization will have shocked him. There's certainly the impression that he didn't relish his time in Wahran, and that he didn't hold the Ottomans in any higher regard than his father did. His father, Muhyiddin, was clearly opposed to the Ottomans. It seems evident that the Ottomans suspected him of plotting. Muhyiddin, sur le conseil de ses amis, l'a été conseillé de s'éloigner un petit peu de la région. Alors il a pensé au pèlerinage. He had a father who sensed that he had this son who was special and favored him particularly by taking him out of sequence and going on a Hajj with him rather than his oldest son. Donc il y a un départ qu'on peut fixer à 1825. Abdelkader étant né en 1808, vous savez qu'il est il a 17-18 ans, il rentre là dans sa vie de jeune adulte et il va avoir sa première responsabilité de taille. Il faut
quand même imaginer le choc que ça peut être à cette époque-là, arriver à la Mecque et voir des, je sais pas, des Afghans, des Tatars, des Indiens de l'Inde, des Arabes du Yémen. Il faut imaginer de l'Afrique noire avec leur type, leur population, leur nourriture. Et ils découvrent ça, c'est-à-dire cette dimension universelle. Et là, encore une fois, il faut imaginer, il part d'un milieu très restreint et là, il arrive dans cet islam qui va lui montrer qu'effectivement, il y a une dimension universelle de l'islam. À la Mecque, à cette époque-là, c'est aussi un voyage sans retour possible et peut-être même intimement espéré. Parce que celui qui meurt sur la route en allant à la Mecque ou celui qui meurt à la Mecque elle-même, c'est la plus belle mort qui puisse arriver. Donc on ne demande pas forcément de revenir d'un tel pèlerinage. Et en tout cas, si on en revient, c'est d'en revenir meilleur, avec une proximité au divin, plus importante, proximité à Dieu plus importante. It was at the same time a way of being out from under Ottoman control and observation. A way of making contacts, which has traditionally always been one of the great functions of the pilgrimage. People meet from all over the world and be conversing, exchanging stories, exchanging ideas, and sometimes perhaps forming alliances of one sort or another. وفي حجه الأول كذلك في مصر استوقفه شيء وهو إصلاحات محمد علي باشا. ومحمد علي باشا رغم أنه كان والي عثماني على مصر يعني تابع السلطة العثمانية على مصر إلا أنه أراد أن يستقل بمصر وجعل من مصر دولة حديثة قوية مركزية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحضاريا وغير ذلك نظرا للإصلاحات التي قام بها محمد علي باشا. هذه الإصلاحات كلها أعجب بها الأمير عبد القادر. بعد ما حج زوج عبد القادر بخير. هذا السفر في بعاد روحانيته وداه لعماق الوطن العربية ومنه خدم معرفة كبيرة. صح ما كانش عارف بلي سلسلة أحداث بعيدة عليه كانت رايحة تبدل له المصير حتى الأخير. À cette époque-là, il y a une véritable crise morale, politique en France autour de Charles X. En même temps, pour faire diversion, il n'y avait pas mieux que d'engager un conflit. Donc 1827, on va reprendre des vieux projets, mais de manière opportuniste. ما حدث في 30 أفريل 1827 أن الدوك دوفال الذي كان ممثل للسلطة الفرنسية بالجزائر استعمل الحيل لدفع الداي حسين للغضب. جملة ما قاله للداي حسين لما سأله عن ما مصير الديون التي لم تقدمها فرنسا للجزائر جوابه كان قاسيا فغضب الداي حسين وأشار بمروحته إلى الباب ليطرده أخرج سواء وصلت الضربة إلى دوفال أو لم تصل فالعملية كانت مقصودة أي إهانة دوفال أمام الآخرين وهذا الذي كانت تبحث عليه فرنسا. Donc 1830, les troupes françaises débarquent dans la baie d'Alger à Sidi Fredj, Sidi Ferruch, du nom d'un saint, et puis la prise d'Alger après négociation avec le Dey Hussein le 5 juillet 1830. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand les Français débarquent à Alger, ils savent que c'est pour racheter l'honneur du consul et à travers lui de la France, mais ils ne savent pas beaucoup plus. Et les troupes n'ont pas été préparées. Cette conquête commence très mal. Ça va être un coup d'effroi.
Donc on va voir des exactions, bon, des viols, des vols, profanation de tombes, transformation de mosquées en écuries, enfin bref, des choses qui vont choquer les populations. Et là, on comprend qu'on a affaire à un nouvel envahisseur. Sauf que, entre le départ de la flotte et la prise d'Alger, le pouvoir va chuter en France. Quand Louis-Philippe arrive au pouvoir, il hérite de Charles X d'un fardeau qui est Alger. Ça ne l'aurait pas dérangé de se retirer. En même temps, politiquement, il ne peut pas, parce que ce serait d'une certaine manière reculé. Donc, en attendant, on va placer des garnisons dans les principales villes du littoral. Et c'est au début 31 qu'une garnison française s'installe dans la ville d'Oran. Donc la menace se fait plus proche. طاح بالك الغرب في وهران ومن تلمسان طلعت ندوة للمغرب طالب السلطان عبد الرحمن باش يتوكل الحكم في غياب السلطة. لكن ضغط الفرنسيين حتم عليه الانسحاب. زادت تلمسان ندوة جديدة، بصح هذه المرة كانت متوجهة لراجل متدين ومقدر عند كل قبائل الغرب. Donc on demande à Sidi Mahieddin, donc le mokaddem de la Zawiya, donc le père d'Abdelkader, de se mettre à la tête, et lui refuse, mais en proposant une solution. Il dit « Je suis trop âgé, je ne peux pas accepter, je vous propose le meilleur de moi-même. » Bien qu'il n'ait jamais eu d'ambition politique, l'émir Abdelkader présentait un certain profil qui pouvait le propulser à la tête du pays, sa droiture, sa noblesse de lignée, son jeune âge, ses titres de Talib et de Hafiz, et son courage par lequel il s'était illustré. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله Oh.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Donc 1830, les troupes françaises débarquent dans la baie d'Alger à Sidi Fredj, Sidi Ferruche, du nom d'un saint, et puis la prise d'Alger après négociation avec le Dey Hussein le 5 juillet 1830. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand les Français débarquent à Alger, ils savent que c'est pour racheter l'honneur du consul et à travers lui de la France, mais ils ne savent pas beaucoup plus. Et les troupes n'ont pas été préparées. Cette conquête commence très mal. Ça va être un coup d'effroi. Donc on va voir des exactions, bon, des viols, des vols, profanation de tombes, transformation de mosquées en écuries, enfin bref, des choses qui vont choquer les populations. Et là, on comprend qu'on a affaire à un nouvel envahisseur. Sauf que, entre le départ de la flotte et la prise d'Alger, le pouvoir va chuter en France. Quand Louis-Philippe arrive au pouvoir, il hérite de Charles X d'un fardeau qui est Alger. Ça ne l'aurait pas dérangé de se retirer. En même temps, politiquement, il ne peut pas, parce que ce serait d'une certaine manière reculé. Donc, en attendant, on va placer des garnisons dans les principales villes du littoral. Et c'est au début 31 qu'une garnison française s'installe dans la ville d'Oran. Donc la menace se fait plus proche. ومن تلمسان طلعت ندوة للمغرب بالطالب السلطان عبد الرحمن باش يتوكل الحكم في غياب السلطة لكن ضغط الفرنسيين حتم عليه الانسحاب زادت تلمسان ندوة جديدة بصح هذه المرة كانت متوجهة لراجل مدين ومقدر عند كل قبائل الغرب Donc on demande à Sidi Mahieddine, donc le mokaddem de la Zawiya, donc le père d'Abdelkader, de se mettre à la tête et lui refuse. Mais en proposant une solution. Il dit, je suis trop âgé, je ne peux pas accepter, je vous propose le meilleur de moi-même. Bien qu'il n'ait jamais eu d'ambition politique, l'émir Abdelkader présentait un certain profil qui pouvait le propulser à la tête du pays. Sa droiture, sa noblesse de lignée, son jeune âge, ses titres de talib et de hafiz, et son courage par lequel il s'était illustré lors d'une des premières batailles qui s'était déroulée dans la ville d'Oran, notamment la bataille de Kharqan-Etah, où il défia les balles de l'ennemi pour recueillir la dépouille de son neveu et lui donner une digne sépulture. Le 27 novembre 1832, يوم المبايعة عبد القادر صبح الأمير عبد القادر والجزائر صبحت الدولة Cette mubaya, ce serment d'allégeance, symbolise une tradition prophétique qui remonte à l'an 628, lorsque le prophète de l'islam, que le salut soit sur lui, avait scellé avec ses apôtres le serment d'alliance. Il le faisait sous un arbre, qu'on appelait l'arbre de la grâce, Shajarat Ridwan. Donc cette première Mubayaha qui est Khassa, donc il n'y avait que l'élite, va se poursuivre avec une deuxième Mubayaha dans la grande mosquée de Mascara. C'est une Mubayaha Emma où tout le monde est présent, tous les citoyens de la ville sont présents. La Mubayaha وأكدت على أن إمارة الأمير أو دولة الأمير لها طابع ديمقراطي طابع الشورى طابع العدالة الإسلامية لما بويع الأمير عبد القادر مباشرة بعد بيعته ألقى خطابا قال فيها مضمونها أن الأمير عبد القادر أن الإمارة سعت إليه ولم يكن يجري وراء الإمارة La Mubayaha, pour lui, ça va vraiment être un passage initiatique. D'autant plus que l'année suivante, son père meurt en 1833 et que là, il sera vraiment seul. Il est face à son destin et au moment où il accepte, il rentre dans l'histoire. دخل الأمير في التاريخ بسبب وجب الحرب
وكتب تاريخه بهدف واحد، الدولة اللي رغب يبنيها. الدمار والبني والدمار مرة أخرى، والقتال في الغرب والبني من جديد، والهدنة قريبة للتشييد. ما الذي أدى بالاعتراف الأول وإمضاء معاهدة ديميشال في 34؟ هي عملية أن ديميشال كان صحيحا يوجد بوهران، لكن لا يملك أي شيء خارج وهران. السلطة الفعلية لقوات الأمير عبد القادر في المنطقة كلها. ورقة مخزومة على زوج لغات، نصها بالفرنسية والنص الثاني بالعربية، زوج توقيعات وبعدهم الهدنة. هذا الخطاب يرسم إقليم بقبيل تحت سلطة الأمير. بصح قداش تدوم الهدنة؟ ولا واحد من الطرفين كان يظن أن هذه المعاهدة هي توقف الحرب النهائي. لماذا قبل هذه المعاهدة؟ أولا أن السلطة الفرنسية اعترفت بالأمير، وأن الأمير كان الممثل الشرعي والوحيد لأغلب، إن لم أقل لكل الجزائريين. إذا وذلك الأمير اغتنم هذه الفرصة، فترة الهدنة هذه أو هذه الفترة القصيرة، لكي يجعل تنظيم دولة، يعني أنشأ دولة بمعنى الكلمة. يعني معسكر كانت عاصمة لها مؤسساتها. أنا بخصوص المباني الحكومية للأمير عبد القادر، من بينها يعني مقر القيادة ما زال قائم إلى حد الآن، وأيضا محكمة الأمير عبد القادر. كان النظام قبليا، هو ركز الحكم في سلطة واحدة، كان له مجلس شوري، كان له وزراء، وكان له جيش نظامي وأيضا جيش من المتطوعين. دولة اللي ما عندهاش علماء وما عندهاش مدارس، هذه تعتبر دولة يعني منهارة، دولة فاشلة. وكي نقول يعني منظومة تعليمية، معناه معلمين، معناه برامج دراسية، معناه مكتبات يؤم إليها الطلبة. التنظيم الصحي أيضا أنشأ مستشفيات في المجال الخارجي، يعني أقام علاقات دبلوماسية وتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أيضا إنجلترا. كان له أيضا عملة نقدية، والعملة النقدية تدل على استقلال الدولة، فالأمير لم تظهر صورته في هذه العملة. باش تتطور هذه الدولة كانت الضرائب لازمة، والضرائب مذكورة في الدين، الزكاة، العشور، والمعونة، ضريبة الحق. بسببها تلقى الأمير مقاومة جديدة وفي قلب صفوفه هذه المرة. المعونة كانت مرفوضة في أيام الهدنة، والمعارضة للضرائب صبحت نضال سياسي. Donc il va connaître ses premiers combats, ses premières querelles, ses premières insultes, aussi ses premiers ennemis de l'intérieur, des plus connus, Mustafa Ben Smaïl. المخزن سبب مشاكل للأمير ومصطفى بن اسماعيل بعد، بصح قبلهم الدوير والزمالة. فوضت هاد القبائل مع الجنرال تريزال اللي ألغى اتفاقية ديميشال. المخزن هم مجموعة من القبائل التي كانت مكلفة بجمع الضرائب من القبائل لصالح سلطة البيلك. في 35 نجد أن المخزن يوقع معاهدة ليصبح تحت خدمة الفرنسيين. 10 أيام بين توقيع المعاهدة تقع معركة المرطبة بين تريزال والأمير عبد القادر. المقطع نصر الأمير يكلف تريزال منصبه في الجزائر، ونصر يكلف الأمير ثمن غالي. الجنرال كروزال ومعاه ولد الملك الدوك دورليون توعدوا عليه بالعداوة. كروزال أول شيء بمصاحبة الدوك دورليون سيتوجه، سيحاول سيتوجه إلى معسكر لتتبع
أو يمحي العار تاع المرتع، لأنه معركة المرتع بكل المقاييس كانت ضربة قوية للجيش الفرنسي في الجزائر. في عام 1835 يعني غازت فرنسا معسكر يعني واستولت عليها لمدة 3 أيام، فقضوا عليها وشردوا أهلها، هدمت هذه المدينة. طاحت معسكر كبرت أهمية رهان تلمسان، رهان استراتيجي. لكن مدينة تلمسان هي كانت خط وسيل وهمزة وصل، الإمداد تجي من غزة وتجيش فرنسي بطرق العسكر ولا بالوحر. كان حب يقطع من ناحية العسكرية هذه الإمدادات لجيش فرنسي. رهان شخصي ثاني، تلمسان مرايا كل واحد يشوف وجهه فيها، وحتى الأمير كان يأز هذه المدينة. الكراغلة نصهم ترك ونصهم جزائريين رغبينها تكون عثمانية. مصطفى بن اسماعيل تفاهم على الكراغلة وانضم لهم في ساحة المشور، صابر على الساعة اللي يحيي فيها سيادته. حصرهم الأمير عبد القادر مدة، وفي تلك الفترة كتب القراغلة وعلى رأسهم بن اسماعيل إلى كلوزل وطلبوا منه المجيء إلى تلمسان. تلمسان صبحت غنيمة الانتصارات والهزائم. انتصار معركة التفنة، هزيمة معركة السكاك اللي انتصر فيها راجل سكندكرة الجزائريين الجنرال بيجو. لكن تلمسان رجعت للأمير، وبيجو عدو البارح والغد طلب هدنة، معاهدة التفنة. Le jour du traité de la Tafna, du 30 mai 1837, les premières paroles de l'émir quand il a rencontré Bugeaud, c'était « Je suis venu prendre Tlemcen ». Et effectivement, il a pu avoir Tlemcen, c'était symbolique. Giraud, à l'Assemblée nationale, disait que l'Algérie n'était pas un État. Et Farhat Abbès a répondu, l'État algérien a été consacré le jour de la Tafna. Le 30 mai 1837, nous pouvons dire que l'Algérie avait un État. Cette mouahada a donné à l'Amir la ville de Tlemcen et plus. 30 000 pays et responsabilité d'organiser la ville de nouveau. دولة تتركب من 8 خليفات، وخليفات على رؤوسها أولاد الزاويات. كان الأمير متأكد باللي رجال كيف وتربوا في البساطة والديانة ما يخضعوش لغرور السلطة. خلفاء يبنيوا مدن جديدة وقلعات، وخلفاء يشيدوا إدارة مركزية. بلاد تعيش ميلاد جديد، صناعة طالعة، وما تنساش بلي الحرب راجع بلا شك. وبالأخص بلاد تحيي نفسها بعاصمة جديدة. هذه المنطقة تيار التقدم هذه كانت عاصمة قديمة، وهي عاصمة للدولة الرسطومية. فهنا على مجال الأمير عبد القادر صار يحب يبني عاصمة مثل ما بنى الرسطوميين، وزارها في 1837، وشرعها يرمم في منطقة يعني اللي هي اليوم تاكدمت، ونقل إليها عاصمته. ولكن مع الأسف هذه كلها مشات يعني فنات، لم تبقى منها الأثار التي يمكن أن نستشفها. في سبتمبر من 1839 استؤنفت القتال. ابن الملك لوي فيليب هو الذي خرق أبواب الحديد بالشرق الجزائري. يعني فرنسا عقدت معاهدة مع الأمير عبد القادر في المنطقة الغربية وفي بعض أجزاء من المنطقة الوسطى، لكنها تفرغت لما ضمنت أن الأمير عبد القادر لا يحاربها، نقلت كل جيوشها وحاربت أحمد باي في الشرق. إذن فرنسا لما قضت على المقاومة في الشرق بدأت تمتد وتمد نفوذها على المناطق الأخرى، وهذا ما جعل المعاهدة تنتقد.
À partir de ce moment-là, il y a le parti pris en France d'une domination totale, de la colonisation. Et donc à partir de là, il va se mettre en place en France un soutien qui se fait autour de Bugeaud. Le général Bugeaud, qui est aussi homme politique, hein, qui va venir à la Chambre des représentants expliquer pourquoi il s'en est fini de discuter avec les chefs de la résistance. Il faut écraser toute résistance à notre conquête. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Aller tous les ans brûler leurs récoltes, ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Là, il s'agit là maintenant de couper l'herbe sous le pied d'Abdelkader, et comme on n'arrive pas à le prendre, eh ben, on va tout saccager autour de lui. Et donc la nomination de Bugeaud comme gouverneur général de l'Algérie est, j'allais dire, les pleins pouvoirs. الأرض ما يكفيش، دولة الأمير هي اللي لازم تنحرق. تهدمت تقدمت في ماي 1841 وهكذا فنات عاصمة الأمير الثانية. العاصمة الثالثة كان لازم تكون أقصى من الحجر. واش اللي أقصى من الفكرة؟ Suite à la chute de plusieurs de ses capitales, pour des raisons militaires assez basiques, hein, le surarmement français, la difficulté pour Abdelkader et ses troupes de tenir des sièges et maintenir ses capitales fixes, Abdelkader va se poser, en tout cas selon Bruno Étienne, une question fondamentale qui est: est-ce qu'il faut encore fonder le pouvoir politique dans la pierre ? Et Abdelkader va répondre par la négative, en inventant de toutes pièces, alors selon les témoignages, en pendant des mois, en traçant dans le sable des plans possibles pour une nouvelle capitale nomade de l'Algérie, il va créer donc cette Smala. Ce qu'est la Smala, ou ce que pourrait être la Smala, parce que la question historique n'est pas complètement aboutie, ce qu'on en sait, c'est que ça a été pendant 2 ans la capitale de l'Algérie, une capitale mobile, faite de tentes, sur une organisation et un plan assez lumineux et compliqué, donc de forme de cercle emboîté, qui eux-mêmes étaient composés de douars, c'est-à-dire d'ensembles de tentes, qui était une assemblée, en tout cas, de l'ensemble des tribus fédérées par l'émir Abdelkader. Il a imaginé une capitale mouvante, une capitale qui se déplace au gré des combats, qui fuyait l'ennemi en permanence. De pouvoir inventer à son époque une capitale avec son administration, son hôpital, son tribunal, ses écoles, sa bibliothèque. Il y avait 60 000 et on dit jusqu'à 75 000 personnes. Et une fois que le drapeau de l'émir, l'étendard de l'émir était posé, cet endroit devenait le centre du cercle. Chacun, instantanément, savait où était sa place. Le point qu'il devait occuper. Il n'y avait pas de meilleur plan pour qu'une information circule très vite sur les 20 km que représentait quand même le diamètre de la Smala. 20 km, pour qu'elle aille d'un point à un autre, il ne pouvait pas y avoir de structure urbaine plus adaptée. Après, ce qu'on a très vite découvert, c'est un millefeuille de représentation, une lecture complètement polyphonique. C'est-à-dire pour Kateb Yassine, qui fait référence dans son roman Nejma, la Smala, pour aller vite, c'est une manifestation politique pour l'indépendance de l'Algérie qui se transforme en ville. Pour Bruno Étienne, c'est une zaouïa géante ou un schéma exotérique, un schéma religieux qui prend forme de ville. Pour un autre, c'est une ville avec au centre le livre. Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française, les beaux orangers, le vandalisme va abattre. Je brûle aujourd'hui les propriétés et les villages de Ben Salem et de Belkacem, pressés les uns contre les autres et morgelés pendant la nuit. C'était la malheureuse population. Deux belles armées, se donnant la main fraternellement au milieu de l'Afrique. L'une partie de Mostaganem le 14, l'autre de Bida le 22, rasant, brûlant, chassant tout devant elle.
Ça a été vraiment une période extrêmement lourde. Et on peut imaginer Abdelkader à ce moment-là voir des victimes venir à lui criant vengeance. Et c'est là qui est intéressant, c'est qu'Abdelkader montre que la véritable chevalerie, elle n'est pas qu'extérieure, elle est aussi à l'intérieur. Et que le véritable ennemi est d'abord en soi avant d'être à l'extérieur. Et donc il y a toujours cette idée de préserver cette intériorité, ce cœur de l'être, par justement la loi, par les références. Et Abdelkader va envoyer cet édit du traitement des prisonniers. L'émir était un précurseur en matière de droit humanitaire, d'une manière dont on n'a pas idée aujourd'hui. C'était en 1843 qu'il avait édicté ses règles protégeant les prisonniers de guerre français. Il faut attendre le début du XXe siècle pour avoir la première mention dans le droit international d'un statut de combattant et donc de prisonnier de guerre. Et il faut attendre 1929 pour avoir pour la première fois une convention de Genève, la troisième en l'occurrence, qui protège les prisonniers de guerre. C'est en ceci que son approche a été véritablement fondamentale. Parce que le premier droit de la guerre, c'est le droit de tuer, mais pas n'importe qui. Et il a su comprendre et faire comprendre qu'on n'avait pas ou plus le droit de tuer celui qui ne pouvait plus vous tuer. Les militaires français ont cherché à mettre la main dessus pendant des années. Il a fallu qu'une personne trahisse pour dire où elle était. C'est un peu par hasard d'ailleurs que le duc d'Aumale, sur un renseignement, va tomber sur la Smala plus qu'il ne la poursuit et la trouve. C'est un pur hasard. C'est parce que l'armée était au loin que la petite troupe du duc d'Aumale, trouvant un camp essentiellement habité par des femmes, des enfants et des vieillards, où Abdelkader n'était pas là, qu'il y a pu y avoir cette bousculade, cette sorte de victoire sur personne en vérité. La monarchie de Juillet a été sur le plan de la communication finalement très très forte. Enfin, la prise de la Smala a été une extraordinaire exploitation médiatique avec ce tableau d'Horace Vernet qui fait 8 mètres de long. Il y a des lithographies, des gravures qui ont été faites. Donc tout ça a été très 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 reproduit. La Smala, c'est aussi une ville détruite par des hommes en uniforme. Et on a essayé d'interroger ce rapport historique. Et on voit qu'il y a une sorte de continuité du savoir-faire colonial qui se développe pour la France, essentiellement en Algérie, et qu'on suit jusqu'à aujourd'hui selon des parcours un peu sinueux, mais qui définissent en définitive le traitement de la ville de l'autre. Donc la ville de l'Algérien essayant d'exister en tant qu'Algérien, qu'est la Smala, ou la ville du Rhum essayant d'exister en tant que Rhum, en tout cas sur le territoire français, ou comment on expérimente justement la déstructuration de l'espace en Israël, avec un laboratoire d'études militaires composé essentiellement de géographes, d'architectes, de sociologues et de philosophes, qui vont inventer la déstructuration de l'espace comme méthode de guerre. Essentiellement un plan dessiné sous la dictée d'un prisonnier par le duc d'Aumale, avec au centre la tente de l'émir, le triangle qui représente le fameux trésor d'Abdelkader qui a donné quelques épisodes croquignolés à la littérature populaire en France, en tout cas. Enfin, le trésor d'Abdelkader, c'est sa bibliothèque. Hein. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'il va suivre les troupes du duc d'Aumale après la prise de la Smala, c'est en suivant les pages arrachées à ses livres. بدا مريح عزمة طاحت مرة أخرى البلاد تلهب الهيب من المعارك المربوحة معركة سيدي إبراهيم في سبتمبر 1845 اللي تشهرت في وقتها بصح ما كانش الأمير يقدر يتمتع بهذه الانتصارات وهو عارف باللي شعب وبلاد ونضال كانوا غرقين في الدم Après la destruction de la Smala, c'est-à-dire en 1845,
1843, les choses sont plus difficiles et à ce moment-là, ce qu'il utilise comme camp retranché, c'est le Maroc. كان له ملجأ بالمغرب الأقصى لكن السلطات الفرنسية تعاملت أيضا بعنف في تلك المنطقة وبعد معركة سلي 1844 لم يبقى للملك للسلطان المغربي إلا بإرغام الأمير عبد القادر على الخروج من أراضيه. Le roi du Maroc avait signé le traité de Tanger. Le traité de Tanger en 1844. Ensuite, le traité de la Lamarnia, qui disait que l'émir était hors la loi. Abdelkader was definitely seen as a potential magnet for opposition to the Sultan, and potentially even a Sultan in his own right. In his defense, there is no case where Abdelkader actually does try to set himself up against the Sultan. Le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham, a envoyé à la fin. Décembre 1847, un contingent de 5000 hommes à peu près. L'émir a engagé la bataille. Il était obligé d'engager la bataille. Et en quelques heures, l'armée marocaine a été défaite. Ensuite, le roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham, a engagé 55 000 hommes. Donc d'un côté, les troupes marocaines. De l'autre côté, l'armée française a 105 000 hommes. Donc l'étau se resserre autour de l'émir Abdelkader. فتشاور مع زملائه لقيل قبل التشاور استخار عدة ليالي فتشاور الأمير مع رفقائه ولا سيما مع مصطفى بن تامي ومع قدور بولت سيدي مبارك وجماعة أخرين واش نعملوا يا جماعة كاش ما المواصلة الكفاح صعب كاش ما نتفاوضوا مع المغاربة ولا نتفاوضوا مع الفرنسيين واجمعوا على أن أصحاب القرار في نهاية هم الفرنسويين فلذلك من الأفضل أنه يتصل معه مباشرة L'émir avait remis une feuille de papier sur laquelle il avait apposé son cachet et sur laquelle le vent, la pluie et la nuit l'avaient empêché de rien écrire. Il m'était impossible d'écrire pour la même raison qui s'était opposée à ce que l'émir put le faire. Et de plus, je n'avais pas mon cachet. Je remis mon sabre et le cachet du commandant Bazaine. Les conditions de l'émir sont simples. Je voudrais me rendre à Saint-Jean-d'Acre ou Alexandrie. S'il a fait le choix de ces deux villes, c'est que ce sont deux ports traditionnels où descendent les Maghrébins pour se rendre précisément à la Mecque. Deuxièmement, avec tous ceux qui veulent me suivre. Troisièmement, estimer tous nos biens et récupérer notre argent pour vivre en Palestine. Et quatrièmement, quel est le sort de Mohamed Bouhmidi, mon khalifa. Son khalifa a été envoyé auprès du roi du Maroc, Moulay Abdelrahman ibn Hisham. L'émir ne savait pas qu'il a été incarcéré, puis tué. Le général de la Mauricière, qui est à ce moment-là le seul à pouvoir faire cette promesse, fait cette promesse à la condition que sa décision soit ratifiée par le gouverneur général, qui à ce moment-là est le duc d'Aumale. Le 23 décembre, l'émir est reçu avec la Mauricière, les troupes de la Mauricière. Il lui réitère qu'il accepte les conditions. L'émir demande après d'aller faire sa prière au mausolée de Sidi Ibrahim. Donc il va au mausolée de Sidi Ibrahim, il fait ses deux prières du Dhor et du Asr. Ils vont ensuite à Razawet et il passera la nuit dans la maison du commandant d'armes. ديسمبر 1847 عاش الأمير ليلته الأخيرة في الجزائر
لقى الديك دومال في مرسى الغزوات يوم 24 ديسمبر وقرر المصير باش ما يكونش بيجو آخر من شاف الأمير وهو يغادر بلاده. ثلاث شهور من قبل خلفوا ولد الملك المنصب حاكم عام. من غزوات راح الأمير المرسى الكبير وركب على متن الأصمودي متأكد باللي كان مسافر في اتجاه الشرق. أخبره القائد الفرنسي الذي هو كان كولونيل آنذاك الذي يرافقه إلى فرنسا، قال له سنتوقف بعض الوقت في تولون حتى نتريض حتى يأتينا ما يعني مخطوط من الإسكندرية أو من عكا يسمح لكم بالذهاب. وكانت يعني نوع من الوقوف التقلي للباخرة في تولون، ولكن سرعان ما جاءت الأوامر من باريس. Et donc à Toulon, ils vont devoir donc passer la mise en quarantaine qui va durer 10 jours. Et à l'issue de ces 10 jours, on va leur apprendre que qu'ils ne quitteront pas Toulon puisque ils sont considérés comme prisonniers. كان الحرب مصيبة. وزمان من صايب زاد دم عوام. الأمير ورفاقه ظنوا باللي كانوا متجهين للشرق وصبحوا رهائن كذبة فرنسا. نواوي بقاو مجموعين وفرقوهم، هجروهم لفوق مع البوسكي في جزيرة سانت مارغريت، وفي نفس الوقت قبضوا الأمير وقرابه وسجنوهم في فوق لامالك بمدينة تولون. ففي فور لامالك الحالة السكنية كانت كارثية، بحيث زاره كثير من الناس، ولعل أحسن من كتب عن هذا هو الأديب اللي هو من تولون شارل بونسي. La première chose que nous remarquâmes en traversant les corridors sombres du fort nous attrista profondément. C'était les logettes qui servaient d'appartement aux femmes et qui, malpropres, obscures et humides, n'avaient d'autres portes pour protéger leurs hôtes qu'un sale et grossier rideau de toile. Ces conditions vont être beaucoup plus terribles parce que l'Amir Abdelkader va exiger que les gens qui étaient enfermés au fort Malbousquet le rejoignent. Le groupe était composé d'une centaine de personnes. Donc il y avait à peu près une trentaine de femmes, une quinzaine d'enfants. Les autres étaient des hommes et ils vont se retrouver tous enfermés dans un espace très réduit. Nafil Awal Firansa lam takun ta'rif mada taf'alu bihada shakhs. Aina tada'u. Siyama wa anna. تزامن انتقاله إلى فرنسا بتغيير نظام الحكم في فرنسا. المسجون سجن الحارس. شعار ثورة 1848 كان الحرية، المساواة والأخوة، وكانت نفس الحرية بالذات اللي طالب بها الأمير. الحارس يتمنى من المسجون أنه يوالف سجنه. فرنسا رغبت توصل لقبول الأمير بالشي اللي أعطاته في عوض ما تمد للأمير الشي اللي كان راغب فيه. Domas était un grand officier qui parlait arabe. Il a rempli ses fonctions de responsable des affaires arabes sans problème. Et quand est arrivé 48, le gouvernement lui a demandé de s'occuper d'Abdelkader et d'essayer de le convaincre d'accepter de rester en France. Domas va très loin. On lui donne carte blanche, j'allais dire, pour cette négociation, pour faire revenir Abdelkader sur sa parole. Il va jusqu'à dire, écoute, si tu décides de rester ici, tu auras des terres, tu auras de l'or, tu seras parmi les gens les plus importants de ce pays. Donc l'échec total, et Domas qui écrit dans cette lettre à Guizot directement, donc au Premier ministre, donc au président du Conseil, dans lequel il dit il ne veut strictement rien de ce monde. Autrement dit, on ne peut pas l'acheter. وجا زمان الحيرة والسياسة مزعزعة، وهاد السجين يقلق بثقل شانو.
دوماس خاف من انتحار الأمير في فور لامالك. الشاعر لامارتين اللي كان عضو في الحكومة قدم اقتراح باش يسكن الأمير في قصر أونغي كادغ بمدينة بو. هكذا بدأت جولة الأمير في فرنسا. Pendant ce trajet, il y a un enfant qui décède, mais on refuse de s'arrêter. Donc on va continuer comme ça jusqu'au château de Pau. Pourquoi on ne s'arrête pas? Parce qu'à cette époque-là, c'était la Révolution en France, donc de février 48. La situation politique était extrêmement difficile, donc on avait très peur que ce contingent soit arrêté sur le chemin. تم الذهاب به إلى قصر بو الذي هو قصر أونريكات، يعني هو قصر ملكي، ولكن في الحقيقة كان دائما الأمر الأمني يسود كل شيء. Le château de Pau, c'est un compromis. C'est un compromis parce que c'est une forteresse, mais c'est aussi un palais royal. Et donc il y a une certaine noblesse du monument. Et puis il y a un autre élément, Pau est près d'une frontière, certes, mais une frontière bien gardée, et Pau est loin de Paris, et de la sorte, Abdelkader sera beaucoup plus isolé, certainement, qu'au voisinage d'une voie maritime ou encore au voisinage de la capitale. L'arrivée des prisonniers était très très difficile, hein, railler, le fait de savoir que des barbares allaient être installés au final dans le château d'Henri IV, c'était un sacrilège pour beaucoup. Lorsqu'ils arrivent au château de Pau, les fenêtres étaient barraudées. Donc ils étaient surveillés par une vingtaine de soldats à l'intérieur et à l'extérieur. L'Aïm Abdelkader était effectivement dans un château qui venait d'être restauré, mais il était emprisonné parce qu'au départ il était isolé dans un donjon et puis ensuite il n'avait surtout pas le droit de sortir à l'extérieur. Donc ces gens vont passer 7 mois depuis avril jusqu'au mois de novembre au château de Pau. Pendant cette période-là, 5 enfants vont décéder. Ces morts répétées d'enfants et cette prise de conscience d'ailleurs de la part des Palois qu'il y a des deuils qui ont attristé ce séjour et faute de pouvoir naturellement y porter remède, la ville de Pau, c'est une petite consolation qui paraît presque dérisoire, concède une part du cimetière à Abdelkader et à sa famille. الجانب النفسي عند الأمير عبد القادر وعند أصدقائه أو أصحابه كان فيه كثير من المشاكل من ناحية السيكولوجية، حتى أن كثير من التقارير الطبية آنذاك خاصة في بو شددت على هذا الجانب، على اعتلال في الجانب الصحي خطأ خاصة الذهني من كثرة ربما الانكماش حول أنفسهم ومن كثرة الانعزال. Il y a la révolte. Et ça, c'est un acte intime, la révolte. Hein, la révolte de l'entourage d'Abdelkader dans l'été 1848. On n'en peut plus. Hein, il y a des morts. Les jours s'égrènent et rien ne vient. Et le désespoir gagne, grignote en quelque sorte les consciences. Et cette révolte qu'Abdelkader arrive d'ailleurs à apaiser, c'est un acte intime extrêmement important. كان يقول اعتبروني ميتا. أنا بالنسبة إليه أعتبر أنني في سجن وسجن العربي هو خيمته وأنا أبقى في خيمتي. Le directeur du
du château, donc le capitaine Boissonnet, qui était à une époque directeur d'un bureau arabe, donc connaissait très bien la société algérienne, et c'était un arabophone. Donc il avait des échanges avec l'émir Abdelkader. Certainement, c'est lui qui a réussi en quelque sorte à faire sortir Abdelkader de cette tente imaginaire dans laquelle il était volontairement reclus et le faire participer à des visites, à des audiences. He's given these very astute and sympathetic handlers. They're basically spies for the Ministry of War to keep them informed on what the emir's doing. And of course, he understood that was part of their function. أصدقاء أصحاب غامدين دوماس بواسوني أصحاب جدد زيارات شارل لينار من أهمام سويسرا فرديناند دو ليسيبس إميل أوليفي محامي يصبح من بعد ولي دولة ومن بينهم صديق قديم مونسيور دوفوش هاد الصداقة بدات عوام من قبل من عطف الأمير ومونسيور دوبوش للأسرى المقبوضين من الجهتين. فالأمير عبد القادر دخل في مفاوضة مع مونسيور دوبوش قصد إطلاق سراح الأسرى. فأصبح إذن الأمير رمز اللقاء يعني مع المسيحيين على وجه الحوار. الإسلام المسيحي لأن التاريخ تاريخ العلاقات بين المسيحيين والمسلمين ليس فقط تاريخ المعركات لكن أيضا تاريخ العلاقات والاعتراف الأحد بالآخر. So you have this exchange of prisoners that occurs at the really at the Emir's initiative. Kind of embarrassing the French that here's this savage who's now showing his humanitarian face. You know, this is dangerous stuff. And Bugeaud had to actually put out the word, no more of this nonsense. You know, we cannot have our enemy appearing human. زيارة مونسيور دوبوش كانت رمز برهان تشجيعه وصداقته لكن من باريس طلع كلام على تحويله لمكان معزول بعيد من الحدود قصر أمبواز بصح الأمل عنيد يوم تولى لاموريسيار الرجل اللي تفاوض مع الأمير بما يخص منفاه في ليلة من ديسمبر 1847 منصب وزير الحرب أصبح الأمير يترجى في الوعد الأول اللي أعطاه له في الجزائر فماذا كان جواب لاموريسيار؟ كان جوابه مزيدا من الضغط بحيث منعت كل الزيارات فلما وصل الأمير عبد القادر مثلا إلى أمبواز كان هناك 200 جندي الأمير est arrivé dans un château qui était en mauvais état en tout cas inhospitalier et inhabité depuis plusieurs générations Les femmes n'avaient pas droit d'être vues par les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un double emprisonnement pour elles. À la fois cette réalité politique, comme qui était valable aussi pour les hommes, mais en tant que femmes, elles ne devaient pas être vues par les hommes. Du coup, elles ne sortaient pas à l'extérieur. Elles passaient leur temps enfermées à l'intérieur d'un château humide. Les conséquences de cette réclusion, c'est donc la mort de 25 personnes au château d'Amboise, dont 16 enfants décédés. Sur les 16, 15 n'avaient pas atteint les 2 ans. C'est
C'est une période à la fois douloureuse, difficile, et en même temps, sur un autre plan, c'est aussi une retraite, d'une certaine manière spirituelle, où l'homme Abdelkader, qui pendant des années a occupé un poste important, donc a été imprégné, j'allais dire, dans ses gènes par le pouvoir, va se voir dépouillé petit à petit de toute cette prétention au pouvoir temporel, et au final, donc ces 5 années de captivité vont être une renonciation, mais dans le détail, douloureuse, chirurgicale, à tout instinct de pouvoir. والأمير يرى أو أعتقد أن الأمير سمى المرحلة الأولى بمرحلة الجهاد الأصغر لما كان يقاوم في الفرنسيين أصبح في المرحلة الثانية مرحلة الجهاد الأكبر والجهاد الأكبر هو جهاد النفس وهو الذي اتجهه الأمير عبد القادر اتجه إلى الدين إلى التأليف إلى العلم إلى التصوف إلى الزهد إلى غير ذلك زمان دار وتقلب رجل دولة في المنفى يتخلى على عادات الحكم والمنفى القديم يتولى الحكم والدولة لوي نابليون بونابارت يصبح رئيس في ديسمبر 1848 ويبدأ يخطط ويحضر مستقبله مستقبل فرنسا ومستقبل الجزائر اللي ولات إقليم فرنسي في ذاك العام عند الأمير الجزائر صبحت ذكرى Et l'année 49-50 vont être des années terribles. Même Abdelkader est touché. Lui qui était robuste commence à avoir des maladies très difficiles. Abdelkader se refuse de sortir, considérant qu'on ne demande pas à un prisonnier ce qui lui plairait. واصلوا عملهم في الخارج وفي الخارج التاريخ مقلب وساير there was a sort of party of Abdelkader in France and in Britain in which the, for instance the Marquess of Londonderry was very involved with people like d'Orsay and Barbotin and people like that in France who were very anxious to have him released And there were threats to scandalize the public by revealing, look what was promised, and look what has happened. Et puis, au bout de 2 ans, on sent que les circonstances changent. Je pense que l'émir, qui est en relation avec un certain nombre de personnes à l'extérieur, perçoit aussi que les idées basculent plutôt dans son camp. Et puis, le 2 décembre 1851, coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte gagne le bras de fer contre l'opposition et contre le Parlement. زوج مسالك عبرين فرنسا وفي الاخر يتلاقاو مسلك الامير وجماعته مسجونين من تولون امبواز ومسلك الامير الرئيس المنتخب اللي رايح ضد راي جنرالاته يتوقف في امبواز لما جاءه الامير الفرنسي الامير الرئيس بونابارت الذي سيصبح بونابارت الثالث قام بخطوه عملاقه فجاء شخصيا حتى بيت الأمير ليقول له أنت حر. Initially, of course, the first announcement that Abdelkader would be released was made at Amboise. But it was arranged that he and a small number of his entourage would travel up to Paris and would be presented in person. احتفلت فرنسا بالأمير. نابليون III استقبلوا بالحفلات. في النهار لا مادلين وفي الليل لوبيرا تشريف باريس وعجائبها تكلمت الناس ذاك الوقت على عبد القادر صديق فرنسا الامير عرف يسمع بصح ما نساش كيفاش كمشت اسابيع تجمل واداب تقدر تبعي 5 سنين سجن و 17 عام حرب On le
recevant à Saint-Cloud, en l'invitant à la remise des aigles. Enfin, il y a toute une cérémonie, si vous voulez, toute une façon de traiter l'émir qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, on lui fait visiter Paris, il est reçu. Donc je pense que là, le Napoléon III a utilisé l'émir pour sa gloire, enfin, et sa légitimité. And it's quite an achievement to manage to turn being 4 or 5 years late in doing what you promise into something that seems like a gratuitous act of goodwill. But this is what was, I think, largely achieved at the time, and certainly how the event was stage managed and presented in France and in the French press, particularly perhaps the French press in Algeria. Abdelkader, through his eventual release, was repurposed as a symbol of Algerian acceptance of French rule. En décembre 1852, après donc une période passée à Paris, les préparatifs, descend par la Saône puis le Rhône jusqu'à Lyon, et ensuite après Lyon arrive à Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est que Charles Hénard va le rejoindre et va témoigner de ce voyage d'Abdelkader sur le bateau parisien numéro 1 jusqu'à Marseille, raconte comment Abdelkader n'a qu'une hâte. Alors que les journaux disent Abdelkader aime la France, et il a beaucoup aimé ceci, cela, il n'a qu'une hâte, c'est de quitter la France et d'enfin retrouver sa liberté. Neden buraya seçti? Bunun tabii ki iki boyutu var. Bir maddi, bir de görünmeyen manevi boyutu. Bursa'nın iki ismi vardır. Biri Yeşil Bursa, diğeri Evliyalar Şehri Bursa. Bursa'da o kadar çok büyük veli vardır ki, Emir Hazretlerinin de kendi gibi olan, kendi gibi düşünen ulus sultanların bulunduğu bu beldeye gelmesini gayet tabii karşılıyorum. Maddi boyutu Fransa'yla o zamanki Osmanlı Devleti arasında görüşmedir. Bursa. Rujur lil ardu l asl. Ard İslam. Ard Flaha. Ard Mazari al-Amir, وبخصوص Ard Khasba bil-Marif. حتى يطهر ذاته من 5 أعوام أسح منابع بورصة وحماماتها وخاتم المنابع وأهمها مصدر لمصادر الاجتهاد الروحي شيخ من الشيوخ سكن بورصة وخلى آثار ومخطوطات هكذا بدأ سفر الأمير الروحاني في أعماق نصوص هذا الشيخ الفتوحات المكية سافر الأمير على آثار ابن عربي الشيخ ابن عربي هو الشيخ الأكبر كما يسمونه وحتى الأمير عبد القادر كان يسميه بهذا الاسم وكان يطلق عليه اسم إمام العارفين وحتى بعض الكتابات أو بعض الشخصيات من المتصوفة يقولون عن الشيخ ابن عربي بأنه خاتم الأولياء. ابن عربي، ce grand maître qui est mort en 1240 est celui qui va formuler de manière décisive la doctrine métaphysique
du soufisme. De son séjour en fait à Bursa, donc à Brousse, en Turquie, où sont conservés des manuscrits essentiels, notamment des Futuhat al-Makkiyah, donc d'Ibn Arabi, il va devenir pour ce qu'on appelle un des héritiers akbariens, le warith al-Akbari, c'est-à-dire il est de ces êtres qui ont les clés de la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi. Ce n'est pas donné à tout le monde et pas à tous les soufis. Ibn Arabi, il n'est pas un écrivain, ni un auteur, ni un visionnaire communautariste, ni d'un peuple, ni d'un lieu. Il est un homme qui part d'un lieu, qui est l'Andalousie, où il est né, à Murcia, et qui va nous donner une quête énorme à travers l'humain et à travers le monothéisme pour dire que ce message des trois religions monothéistes, il devrait faire le bonheur de l'homme. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je pense, c'est très important parce que on dirait que toutes ces leçons ont servi à pas grand-chose. كاين السفر الروحاني كرجل إيمان في قلب أعمال ابن عربي، وكاين سفر المادي على سطح هذا الدنيا، سفر أمير بلا مملكة. وفي الأخر جاء وقت ملاقاة الروحاني والمادي. عام 1855 زلزال رهيب ضرب مدينة بورصة بقوة. كان هذا الزلزال سبب ولا حجة الأمير باش يودع المدينة؟ هكذا توصل سفر عبد القادر. رحلة بدات عام 1847 فرضتها الظروف والحواجز، وفي عام 1855 تحولت هذه الرحلة إلى سفر على خطوات ابن عربي، مقصده المدينة اللي عاش فيها الشيخ واللي كان فيها مدفون، دمشق. The Emir arrived to Damascus in 1855. He moved into the Amara neighborhood instead of going to Suweika or Bab Musalla, where most of the Algerian already lived. So he made a choice to live in an area which is closer to the central city, so he could reach all different factions of the city.
Istun created patronage networks and relations with many different factions of the society. كانت عنده مكتبة كذلك. مكتبته في دمشق كانت من المكتبات الرائدة وزاخرة بالكتب والمخطوطات. وكان الأعيان دمشق خاصة من العلماء والقضاة والفقهاء وحتى القناصلة الأجانب في دمشق كانوا يقصدون هذا المكتبة تاعو اطلاع على الكتب النادرة التي كان يجمعها الأمير عبد القادر. الأمير والف دمشق وطوايفها بالخفة. بصح دمشق ذاك الوقت كان لازم عليها تتأقلم مع عالم جديد. التنظيمات إصلاحات العثمانيين زعزعت الروابط الدقيقة اللي كونتها طوايف دمشق عبر القرون. الحقوق الجديدة الممنوحة للمسيحيين تحت ضغط الدول الغربية الكبرى خلقت توترات وعدوانية. هذا التوتر تحول للعنف ضد المسيحيين بخصوص. Before 1860, before the events and the violence, Abdelkader went to the Majlis and asked for a protection of Christians, and he argued that people who were attacking Christians were to be considered as criminals and arrested. And Ahmed Pasha, the governor, first agreed with him, but then when he left, sent him a messenger to tell him that he was not going to do that. Malgré donc ces avertissements, malgré les lettres qu'il écrit aussi à ses amis, aux chefs de Rus, du Hawaran, etc., en juillet 60 va se déclencher une émeute qui va durer une semaine. L'essentiel des victimes sont chrétiennes, des hommes d'ailleurs, pour la plupart. Et Abdelkader va sortir de l'ombre et revenir sur la scène publique, si je puis dire, à ce moment-là, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amasène. The way he did it was by organizing a militia, essentially. It was very much Abdelkader and the Algerians who were protecting the Christians of Damascus. Et il va devenir le héros du jour dans cette période difficile, puisqu'il va mettre à disposition sa maison, celle de sa famille et de ses compagnons, pour défendre et sauver les chrétiens d'Amasène. Mais ce geste n'était pas, à mon avis, à mon sens, qu'un geste de tolérance. Ce n'est pas pour le minoret que je dis ça. Ça restera louable pour l'éternité. Mais c'était un geste aussi éminemment politique, je crois. Parce qu'il consistait à renvoyer dos à dos, en fait, le concert des nations, les Occidentaux et les Ottomans. He received the concordant of the Legion of Honor, of course, from France. He received the first class Medjidia, the newly created equivalent from the Ottoman court. Il a suscité donc l'admiration du monde entier. De toutes parts, il avait des lettres de remerciement qui étaient accompagnées de cadeaux, notamment président des États-Unis Abraham Lincoln, la reine Victoria, le tsar de Russie, jusqu'au Vatican. There's something really profound that a small town in the middle of the United States, on the other side of the planet, knew of him and named their town after him. You know, we have worldwide a history of people, great people, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. These are people who were able to bridge, to create community, create a movement, to create understanding. I was born and raised in Alcater. Our town was actually founded in 1846 by an attorney from Dubuque. So Timothy Davis was given the task of naming that community. And he very much admired Emir Abdelkader, who was an Arab freedom fighter from Algeria. Emir Abdelkader came to light to us in Alcater with John Kaiser's book.
So once I became acquainted with John, and we were talking about how can we get the message out about Emir Abdelkader, and we decided that working with youth was probably the first direction we should take. So John established the Abdelkader essay contest in Elkader, Iowa. We have found that through the essays, the students really did learn a lot by studying Emir Abdelkader's life. Okay, Jim Moody is with us from Washington, D.C. Jim served in the U.S. Congress and Wisconsin State Senate and has taught at major universities. And then I had the good fortune later to go to Pakistan and Bangladesh with the American Peace Corps, and then I was with CARE International in Iran. And in fact, the basic values of the Muslim culture are very, very similar and comfortable for us. And I ask my colleague something, how did you know that an observant Muslim cannot mention the name Jesus or Moses without saying, and peace be with him, as a sign of respect? How many Americans know that? Not one in 1,000, unfortunately. Most Americans need an update of their information. The 19 hijackers in 9/11 were not good Muslims. It's strictly forbidden to kill innocent people, any more than the Crusaders were good Christian people. Both sides created terrible violence for the other side. But we in the modern world now have the ability to do research and do study and information and travel, and hopefully, gradually, those animosities and misunderstandings will melt away. And it's really wonderful that this city, this town, and these people here are looking at the positive for very, very good reason. كرم في حياته بعد ما توفى من أمريكا للشرق الأوسط ومن إفريقيا لأوروبا الشمالية نقدروا نعتبروا قصة عبد القادر قصة رجل مازال حي بعد وفاته. الصحيح هو العكس، عبد القادر مات قبل ما يموت، بعد ما سلك المسيحيين من المذبحة مشى مكة. في زيارته للأرض المكرمة تلقى الشيخ اللي كمل له تعليمه، الشيخ محمد الفاسي. هو اللي قاد مدة أشهر على دروب التأمل في الغار بالذات اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعزل نفسه فيه. Et là, en fait, Abd al-Kader vit la mort initiatique, ce que les soufis appellent la mort initiatique, puisque le prophète lui-même disait « Moutou kabla anta moutou », mourir avant de mourir, l'extinction de l'ego, la conscience individuelle, dans l'océan de l'unicité. Et donc c'est la réalisation vraiment de l'homme accompli, ce qu'on appelle dans le soufisme, mais aussi dans le champ éthique islamique plus large, el-insan el-kamil. El-insan el-kamil, l'être humain, et c'est pas l'homme, parce que ça peut être aussi une femme bien sûr, l'être humain accompli. Qu'est-ce qui est en jeu là en fait? C'est tout simplement et ultimement, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Tout l'islam est bâti sur le tawhid, c'est-à-dire sur le principe d'unicité. Ce n'est pas uniquement donc, un dogme extérieur d'un Dieu unique, c'est un principe d'unicité qui doit s'incarner dans tous nos aspects de la vie, dans notre expérience donc vitale. Ce qui est étonnant chez l'émir, c'est qu'il n'a jamais perdu cet ancrage profond dans le principe de l'unité. Il voyait le monde dans la diversité, dans la multiplicité, mais c'était plutôt des réalités secondes. Et il voyait que le monde de demain était un monde complémentaire, où Orient et Occident pouvaient, ensemble, faire naître un nouveau monde. Le jour où Abd al-Qadir a soutenu l'injaz de la chaîne de Suez, il a fait le tawhid. Entre le Nord et le Nord, il n'y a pas de sortie. Il y a un débat. الثاني بالتقدم التكنولوجي والأول بجذور الروحانية. قناة السويس صبح رمز وعلامة وصل بين الشرق والغرب، وفي الوقت اللي كان فيه فيرديناند ليسيرس يفتح ممر بحري يعبروا البضائع والمسافرين حتى اليوم، فتح الأمير نهج خاص ومتميز للمسافرين من نوع آخر، كتاب المواقف ميراثه الروحاني.
Le mot موقف veut dire étape. Le Coran, quand il est commenté par l'émir, nous révèle des subtilités cachées. Nous quittons la lettre pour aller dans les profondeurs de l'esprit. والمواقف هي عبارة عن محطات بين كل مقام ومقام. هو كتاب ديني، كتاب فلسفي، كتاب للتصوف، كتبه الأمير عبد القادر طبيعة الحال في حوالي 368 على ما أعتقد موقفا، وكتبه الأمير ليبين فيه إما شرح آية قرآنية أو تفسير أحاديث شريفة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كان له دور كبير، بين اتجاه الأمير عبد القادر في التصوف. L'émir décline à partir de tel verset, de tel hadith, tout un enseignement. Mais dans cet enseignement donc, de théologie mystique, il y a des flashs. Il y a des flashs et il y a des interférences personnelles. Donc il va nous faire part de ces raptes extatiques qu'il a connus et qui vont confirmer, affirmer tel ou tel enseignement. تدخوس يا قرماوت والطفل يلعب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله فلا الطفل ذو عقل إنه يحي لما بها ولا الطير ذو رشين يطير فيذهب ولا الطير ذو رشين يطير فيذهب ولم يظهر بعد فيقال أنه معدوم واش نحكيه بعد وصيه راجل من غير موته واش نحكيه بعد كتاب المواقف من غير حكاية الموقف الأبدي من عادات المؤرخين أن يتكلموا على مكان وتاريخ وفاة كل رجل عظيم الظاهر أن عبد القادر ما يتسجن لا في تاريخ لا في مكان لا في حياته ولا في موته توفى الأمير عام 1883 دفنوه بالقرب من شيخه ابن عربي في دمشق وفي عام 1966 رجعت الجثة نتاعو للجزائر قبرين لرجل واحد On sait qu'Abdelkader avait eu quelques problèmes cardiaques d'après les journaux de l'époque et il va expirer, rendre le dernier souffle, curieusement, dans la nuit du vendredi au samedi 25-26 mai à minuit. Et Abdelkader est précisément l'être de l'entre-deux. البعض من الناس يشوفوا في قصة عبد القادر نضال مؤسس للدولة الجزائرية العصرية من ناحية تاريخ الجزائر ليست نهاية النكات البداية أصل عبد القادر ما زال من تحت لماذا؟ هي سلسلة تاريخية شرعية من الأمير عبد القادر إلى أول نوفمبر 1754 أخرين قرأوا بين سطور هذه القصة باحثين على اللي باطن La plupart des écrits qui concernent l'émir Abdelkader consistent à développer une exceptionnalité Abdelkader. Et je crois que le but de ce discours était justement d'octroyer une respectabilité à un individu unique, seul.
et que cette, que l'octroi de cette respectabilité, de cette exceptionnalité, dépossédait la collectivité de toute personnalité, de toute forme d'exception. Une légende qui se forge après coup, mais qui en même temps est plausible. On passe de l'histoire à la légende très très facilement, parce que précisément, même le personnage lui-même rend crédible la légende et interroge l'histoire. وخرين فهموها كرسالة من الماضي ترسم المستقبل. What the Emir expressed in the mid-19th century was essentially a kind of a Vatican II Muslim spirit in which our Catholic Church, after 2,000 years in 1965, finally recognized that maybe Christianity doesn't own God. Amazing. Only took him 2,000 years. At the Emir essentially says the same thing 100 years before Vatican II, and he expresses it in a very nice way. Whatever the different religions, different communities believe, the Christians, the Jews, the Muslims, the Zoroastrians, the polytheists, the Sabaeans, God is that, but more. And whatever the prophets, the saints, and the angels say, God is that, and more. No one of his creatures knows God in his entirety. Each of us knows and worships God in some ways, and ignorant in other ways. No one is an infidel in all the ways relating to God. There is no error in this world except in a relative way. We're all wrong. Nobody gets God. أنا حق. أنا خلق. أنا رب. أنا عبد. أنا عرش. أنا فرش. وجحيم. أنا خلد. أنا ماء. أنا نار. وهواء. أنا صلد. أنا كم. أنا كيف. أنا وجد. أنا فقد. أنا ذات. أنا وصف. أنا قرب. أنا بعد. كل كون ذاك كوني. أنا وحدي. أنا فرد. مئات مرقاش رسمين صورة واحدة. تقدر هاد الحكاية ما تكونش قصة عبد القادر. هذه قصة المتعدد اللي ذاته وحده.